Salut à tous, les émissaires Ouro 945, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 17 sur Ghost of Tsushima. Alors, où est-ce qu'on s'en était laissé la dernière fois? Je vous avoue que je me souviens plus. Retrouver Yona à la force de Komatsu. Alors, je crois qu'on avait récupéré un grappin. Je possède enfin les outils, les alliés dont j'ai besoin. Ah oui, voilà, on était allé sauver les hommes de des chapeaux de paille. Ok, j'ai besoin pour sauver mon nom du château de Kaneda. Avant de donner l'assaut, je devrais m'entretenir avec Yuna au village de Komatsu afin de m'assurer de son aide. Je viens vous sauver, Seigneur Chimura. Et en récompense, on va gagner assassinat. Choji, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va voir ça tout de suite, les amis. Et évidemment, avant de commencer la vidéo, les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. L'objectif, toujours, d'atteindre la barre des 200 abonnés avant la fin de l'année, les amis. Et c'est parti. Te revoilà. Tu es toujours là. Tu es déçu? Je pensais que tu t'en irais dès que j'aurais mon grappin, que tu essaierais de changer d'île. J'ai été tenté, je l'avoue, mais tu as sauvé la vie de Taka. Ma dette sera payée quand ton oncle sera libre. Heureux de l'entendre. Va prévenir les autres. Que dois-je leur dire? Nous allons entrer dans le château de Kaneda pour libérer mon oncle. On raconte que votre neveu traque mes hommes, qu'il les extermine sauvagement. Je suis sûr que vous avez fait pire. Vous pensez que nous sommes différents, mais nous luttons pour la même chose. Nous voulons que notre héritage nous survive. Le sens de l'honneur et du devoir ont forgé le mien. J'ai amené l'ordre sur mes terres et la justice à mon peuple. N'est en rien comme moi. Tout comme votre neveu. Pourtant, son nom est à jamais lié à votre héritage. Un héritage est bien plus qu'un simple nom. C'est vrai. Votre famille vit ici depuis des générations. Le château de vos ancêtres s'élève au nord, il me semble. Je suis impatient de le visiter. Pendant que vous mourrez de faim dans cette geôle, tout seul, sans aucun honneur. Bon sang, Ryuzo. Où es-tu? Tout le monde est là. On attend les chapeaux de paille. Je te retrouverai à la ferme. Facultatif, parlez à vos alliés. Ouais, on va le faire. Alors par contre, les chapeaux de paille là, ils nous mettent un plan, ils vont nous trahir, c'est comment? Merci d'être venu. Shimura vous en sera reconnaissant. Ceux qui ont massacré ma famille ne perdent rien pour attendre. Il en va de même pour Tomoe. Notre île doit retrouver son chef. Avec votre aide, il sera libre avant l'aube. Préparez-vous. Nous attaquerons bientôt. Appelle, et nous viendrons. Votre propre élève qui combat pour l'ennemi. Vous pouvez en être fier. Ça suffit. Un vieil homme qui recueille une jeune femme. Je l'ai traité comme ma fille. Pour certaines femmes, un père suffit. Je déteste le saké. Tu le sais. Qu'est-ce que tu racontes? Kenji. Ridicule. Allez, bois. Seigneur Sakai. Taka,
Beau travail avec ce grappin. Je suis ravi qu'il vous plaise. Yuna voulait que je reste à l'abri, mais je tenais à vous souhaiter bonne chance. Et toi, quelle est ton excuse, Kenji ? Je déteste boire seul. Alors sors ton meilleur saké. Si nous sauvons le seigneur Shimura, nous fêterons ça dignement. Le Jito mérite ce qu'il y a de mieux. J'ai hâte que tout soit terminé. Ok, alors, est-ce qu'il n'y aurait pas... Oh, il n'y a pas de provisions à prendre hein, du tout. Ok. Mes amis, eh bien, c'est l'heure. Lançons l'attaque. Aujourd'hui, nous libérons le seigneur Shimura. J'avais cru comprendre que les chapeaux de paille nous viendraient en aide. Ils ne sont pas là. Et nous ne pouvons plus attendre. Quel est votre plan, seigneur Sakai ? Je vais utiliser mon grappin pour infiltrer le château. Quand j'aurai neutralisé l'alarme, vous pourrez passer par la porte avant. Les Mongols doivent détenir le seigneur Shimura dans le donjon central. S'ils sonnent l'alarme, ils risquent de l'exécuter. Nous pourrions attaquer l'entrée avant de les prendre par surprise. Non, nous devons être discrets. Nous allons nous frayer un chemin jusqu'au donjon, sauver le seigneur Shimura, puis revenir vers la grande porte pour fuir. C'est du suicide. Seulement si nous attaquons de front. Nous avons une chance si nous frappons discrètement l'ennemi dans son sommeil. Comme un vulgaire voleur. Ou un fantôme. Le seigneur Shimura compte sur nous. Alors allons-y. Beau discours. Tu es sûr qu'on y arrivera ? Il le faut. On dirait que tu peux grimper ici. Rejoins les autres. Je te retrouve à l'intérieur. Sois prudent, Jin. Ouais. Alors comment ça se fait que ça me met pas le R2 là ? Ah, il faut sauter en même temps ? Cadavre ici. Alors, évitez de faire sonner l'alarme, trouvez l'alarme mongole.
Il devrait faire plus de bruit quand... quand il meurt. Ah, j'allais dire, toi, il veut pas... Maintenant, tout se passe plutôt bien. L'alarme. Je dois m'occuper des gardes. Il y en a un là. Mais baisse-toi, frère! Vous garderez la grande porte. Tu peux compter sur moi. Yuna, peux-tu ouvrir la voie le long de la falaise? Je m'en occupe. Bien. Rendez-vous sur le pont. Tu n'oublies personne? Non. Vous me suivez. Il y a une arme de siège devant. L'autre fois, elle était braquée sur Yuna et moi. Cette fois, nous la prendrons. Nous devons à tout prix dégager la cour, discrètement ou de front. Je te suis. Quoi ? Mais... ah putain, il y en a un là. Comment tu veux ne pas te faire voir en fait ? Ah, c'est mort. Ça, c'est qui ? On se rend !
Non, c'est pas fini pour toi. Merci. Allez, viens m'aider. Putain! Oh là là, mes frères! Regardons s'il n'y a pas des provisions ici. Putain, mais vraiment, mais l'autre là, il me fait un coup, je suis déjà mort quoi, limite. Lui, qu'est-ce qu'il a donné, lui ? La poudre. Vous maniez le Wacha ? Je devrais y arriver. Quand je sortirai avec mon oncle, les Mongols suivront. Tuez-les. Avec plaisir. Sois prudent. Vous aussi, Masako. Retrouver Yuna au pont. Jin, la porte est gardée. Suis mon exemple. Non mais frère, suis mon exemple. Ok, à travers les murs, c'est pas bien grave. Ça m'arrange d'une part.
Yuzo m'a trahi, je ne l'oublierai pas. Ah, le jet de bombe là, je crois que ça a été plutôt judicieux. Je ne suis pas allé plus loin la dernière fois. Le Khan t'a jeté du haut de ce pont? Comment as-tu pu survivre? Je l'ignore. La porte est fermée. Tiens le pont, le temps que je trouve une solution. Bah, pousse-toi. Observe la paroi. Il y a forcément un passage. D'accord, c'est peut-être pas ce que je pensais du coup. Ah! Ça devrait marcher. Bien vu. Une fois à l'intérieur, ouvre-moi la porte. Ça devrait marcher. Ah, ok, faut passer par ici. J'aurais besoin de Yuna. Te voilà enfin. Silence. Les gardes devant. Ah non, parce que si... Si je tue lui... Oh putain... Oh les gars... Ah, pousse-toi! Ah.
Ok. Un chef de moins. Putain, j'ai pas vu, on est recouvert de boue et tout. Des petites provisions. Il n'y a rien dans cette maison. Eux, ils regardent dans quelle direction eux. Chiharvo, Chiyuan. Il va où lui? Personne ne s'échappe ici. Yuna, garde cette zone. Je vais trouver le seigneur Shimura. Bonne chance, Jin. Ryuzo. Khan a mis la tête du fantôme à prix. N'importe qui peut la lui apporter. Tu n'oserais pas. Mes hommes meurent de faim, Jin.
Aide-moi à sauver mon oncle. Et il récompensera tes hommes. Et il fera de toi un samouraï. Puis il nous enverra à la mort. Exactement comme tous les autres, Akomoda. Ryuzo. C'est ta famille, Jin. Et je dois protéger la mienne. Oh. Eh bien, je m'en doutais. Oh là là, mais il fait trop mal, frère. Mais non, mais juste au moment où j'atteins, quoi. C'est infaisable. Je devais nourrir mes hommes. C'est infaisable. Vraiment, les amis. Ah putain, j'ai joué. Oh là là, mais il est trop rapide. Oh là 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 là, mais c'est... Arrête, il n'est jamais trop tard. C'est trop chaud. C'est trop chaud, mais c'est... Putain, mais un coup, il fait qu'une seule attaque, un coup, il en fait trois d'affilée, quoi. Ah!
Oh là là, mais un coup! Comment tu peux prévoir s'il va en faire 3 ou une? Ce sera rapide. Nous étions amis. Oui, dans une autre vie. Ah oui, il y a les parades parfaites aussi. Ah là, mais les roulades... Mais les roulades, ça se fait toujours 3 km. Arrête! Il n'est jamais trop tard. Tu as changé, toi aussi. Oh là là, mais... Ah, je ne peux pas lancer de kunai, rien du tout. Bon, écoutez les amis, ça me saoule. Donc on va se laisser là les amis pour cette vidéo. Et bon, on va reprendre une fois que j'aurai réussi à passer ce combat de mort. Allez, je vous dis à très très bientôt les amis, pensez au petit soutien, et à très très bientôt les amis, salut.